L'ombre de la mafia plane sur le domaine de Marcel Pagnol, un banquier russe soupçonné d'avoir organisé la plus grande fraude à racheter 14 hectares. Nous sommes en 1942. Marcel Pagnol rachète sur un coup de tête ce domaine de 300 hectares. Il y passera 32 années de sa vie. 5 ans après sa mort, son épouse Jacqueline vendra finalement l'essentiel de ses terres. Aujourd'hui, le domaine est un paisible lotissement. Pourtant, la mafia rouge y aurait pris ses quartiers. Une parcelle de 14 hectares est tombée aux mains, il y a quelques années, d'un banquier russe. L'oligarque rêvait de transformer l'ancienne ferme de Pagnol en complexe hôtelier de luxe. On a des vélos elliptiques, on a des fauteuils, bon après je ne sais pas si ça, s'il était avant ou si ça a été installé après. Regardez toutes les balles de tennis qu'il y a. Il doit y en avoir des centaines, hein, Titi. Ah oui, là. Mais j'ai vu qu'il y avait des balles de paddle aussi. Donc il faisait des paddles. Et regarde là-bas, on a des raquettes de paddle. Ça, c'est des raquettes de paddle, ça. L'homme d'affaires a été incarcéré en 2019 à Moscou. Et ses biens immobiliers saisis. Il est accusé d'avoir monté la plus grosse escroquerie de tous les temps, le détournement de 46 milliards de dollars. Les autorités russes ont demandé la saisie du domaine afin de récupérer une partie des 46 milliards de dollars volés. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle aventure. On va suivre Titi. Là-bas. Ah, c'est... Les chars, à mon avis, elles sont vides, hein. C'est bien ce que je disais, il n'y a plus rien en fait. Tout a été entreposé en bas, il n'y a plus rien. Ah ouais. Voilà, là ça a dû être squatté. Ah oui, là c'est squatté. Je pense qu'on ne va pas faire toutes les chambres parce que je pense que ça doit être toutes les mêmes. Ouais, vous voyez. Cette chambre, elle a vue sur les cours de tennis. Et de l'autre côté, c'est vu jardin d'enfants. Regardez. Regarde, Titi, on est dans le hall d'entrée. Il est grand le hall d'entrée. Il est joli, hein. Voilà, là, on est dans le hall. Donc, l'accueil devait se faire ici. Ça, c'est un des bâtiments. Après, on va aller voir les autres. Et là, on a la salle petit déjeuner. Et bien là, vous voyez... Ils ont entreposé les lits. Donc, ils ont bien vidé toutes les chambres. Et là, on a tous les transats. On va descendre au sous-sol. Il n'y a rien. Il y a beaucoup de cartons, de dépôts. Ah ouais, il y a beaucoup de bordel. Oh, c'est grand quand même. Oh. Eh oui, parce qu'il était en travaux à un moment. Les travaux étaient abandonnés, c'est ça? On va voir l'autre bâtiment. Allez, on va. Regardez cette vue quand même. Ah bah, là. Elle est. Il était bien choisi. Ouais. Alors là, les façades sont quand même assez propres. Hein.
Allez, avec Bijou, on va aller voir ce qu'il se passe. Ça nous intéresse, hein. Voilà, l'accueil, avec ce bureau. Tu vois, il dirait qu'il voulait tout rénover, hein. Un chantier inachevé. Ah ouais, c'est vraiment un chantier inachevé, hein. Là, on a les vestiaires et les toilettes. Ah, avec toutes les serviettes. Voilà, oui. Et là, on a les vestiaires. La douche à l'italienne. Ah oui, c'est grand quand même. Alors là, je pense qu'il devait prendre la douche avant de descendre au spa. Voilà, une douche. Elle est bien comme ça, incrustée dans le mur. Hein. Ouais. J'adore, c'est stylé. Pluie tropicale, brume froide, douche écossaise. Eh bien, écoutez, tout ça. Et là, qu'est-ce qu'on a, Livio? Là, c'est un bassin. Je pense que on devait descendre. Ça devait être rempli d'eau. Voilà. Et on devait se détendre. Allez, détends-toi. Ouais, je veux détendre. On va poursuivre l'exploration. Et t'as vu à l'extérieur? On a la piscine. On a une petite piscine à l'extérieur. Ah. Oh, petite, elle est profonde quand même. Aux Allemands, ça. Il est beau, hein? Ouais, il est grand. Là, l'immersion dans un superbe hammam. Ah, j'adore. Il y a de la mosaïque partout, jusqu'au plafond. Voilà. Il est plein de mosaïque à 100%, hein. Plafond, mieux. C'est vrai. Ah, ben là, regardez. On a une table. Donc on devait s'allonger et on avait les jets qui nous massaient le dos. Vous avez ça, Thierry? Oui, c'est quoi? En fait, tu devais t'allonger. Oui. Et t'as les jets là, qui devaient te masser le dos. Ça, ça doit faire du bien, ça. Ça, je n'ai jamais essayé et ça me plairait d'essayer. Ça doit être les tables de massage. Alors tu mets ta tête là et tu te fais masser. Voilà. Oh là là, on aurait été bien là, Livio. Hein. Vas-y, allonge-toi. Hein, entre le hammam et les massages, on serait bien ici. Ah hein. Eh ouais. On en a besoin avec tous les urbex qu'on fait. Donc là, on a la baignoire. Une baignoire balnéothérapie. Oh là là. Là aussi, on aurait été bien. Ah ouais, tu te fais. Tu prélasses là dans l'eau chaude. Ah, ça c'est vraiment mon endroit préféré de l'hôtel. On se prélasse et après, massage. On passe au massage. Voilà. Et après, une petite bouffe et au lit. Les terrains de paddle. Donc les terrains de paddle sont plus petits que les terrains de tennis. C'est pour ça qu'à l'arrière c'est vitré. Donc vous voyez, hein, le terrain est beaucoup plus petit. On arrive à la piscine de l'hôtel. Regardez cette piscine, elle est incroyable. Là, on peut en faire des longueurs. Là, vous avez un petit bassin. Et bien sûr, le bar.
Là, on se dirige vers le restaurant de l'hôtel. Ouais, c'est ça. Alors, regardez ces tableaux. C'était l'hôtel comme il était avant. C'était quelque chose. Avec une petite cheminée. La maquette du domaine. Donc, comme je vous rappelle, il faisait 13 hectares. Allez, direction la réception. Allez, c'est parti. On va à la réception. Il fait noir. Là, on doit avoir une cuisine. Ah, c'est ça. Là, c'est la cuisine. Oh, elle est grande, la cuisine. Hein. Elle est grande. Ah oui. Après, le restaurant, quand même, est conséquent. Regardez cette grande cuisine. Vous pouvez en faire à manger ici. Ah, la alors, réception, on l'accueille. C'est la réception. Voilà, c'est ici. Regarde, ça te dit rien ça? Regarde la pendule. Waouh! On en voit souvent des comme ça. Il est magnifique, hein? Elle est belle, hein? Ouais. À la paix, comme ça. Et t'as vu la vidéo? Ce jour, hein, comme dans tous les hôtels, eh bien, toutes les cartes pour les loisirs touristiques autour de l'hôtel. Ah, regardez la vieille cabine téléphonique. Ah, excellent. Excellent, la cabine. À pièces. Oh, c'est stylé, hein? Ouais. Ah, là on arrive côté administratif. Ah, c'est-à-dire les bureaux? C'est les bureaux. Ah oui, là on a tous les dossiers. Eh bien, on devait être fait toute la comptabilité. C'est ça. Tiens, regarde. Il a quand même été déjà... Oui. On a déjà tenté de le forcer. Ah, c'est clair. Voilà, donc là il y a tous les dossiers sur de l'hôtel. Hein. Leur retour. Et c'est marqué ce qu'ils ont payé aussi. Ah mais là tu vois par exemple une part de moustiques parce que la fontaine du bassin ne marchait pas. Et voilà, les paiements, exactement, hein, Dieu. Direction l'étage. Alors certainement les chambres, hein, mais par contre vous avez vu hein, tout ce qui est chambre, c'est vide. Mais bon, on va aller quand même faire un tour. On sait jamais. Faut tout explorer. Exactement, mon cher Dieu. Il y a quand même quelques couchages. Hein. Et peut-être dû à... Je pense que ça a été squatté, je pense. Ah oui, quand même. Ah, les petits frigos, la petite télé. Les sommets sont propres encore. Hein. Ah, c'est un sauna, ça. Bah, t'as raison, l'idiot. Tu vois, comme c'est... ça, il faut tout explorer. Excellent. Un sauna. Un sauna tout en bois. Ah, oh, j'adore le sauna aussi. Sauna. Mais tu avais raison, tu vois, comme quoi il faut tout explorer. Alors là, je ne m'attendais pas du tout à ça.
Je croyais qu'il n'y avait que des chambres. Et à côté des chambres, il y a un seul des verrières. Et regarde, ça c'est un hammam. Un hammam. Avec une belle frise là. Excellent. Avec comme quoi, hein, une nouvelle surprise. On arrive devant l'entrée du restaurant. Là où il y avait la piscine, c'est l'arrière. Et là, on est devant. Regardez cette belle fontaine. Alors regardez, c'est ce que je vous disais. Hôtel 4 étoiles. Squash, ça doit être la salle de sport. Alors regardez, ça c'est une salle de squash. Ah ouais, elle est complète. Hein. Là, il y a un paquet d'argent. Ah là, elle est vraiment complète. Hein. Incroyable. Une petite séance. Allez, ouais. Vous voyez la méthode, mon secret, c'est faire du sport. Et c'est parti. Et voilà, toujours le sourire. Et c'est parti. Et allez, et deux. Est-ce que tu es sûr que c'est comme ça? Et trois, non, je suis pas sûr que ce soit comme ça.